Nous recevons aujourd'hui la Banque européenne d'investissement. Nous avons la chance d'avoir été soutenus pendant de nombreuses années. Nous avons eu un plan de 2006 à 2009 et un plan de 2012 à 2016, plus ou moins 300 millions d'euros si on fait le total. Il y a peu de gens qui savent que la Banque européenne d'investissement est le plus grand prêteur au monde dans le secteur de l'eau. La BEI est une banque un peu atypique, dans le sens où c'est une banque sans but lucratif. Nous sommes là pour financer des projets qui sont bien justifiés du point de vue économique, technique, environnemental, social, etc. Nous sommes aujourd'hui en train donc de présenter et d'expliquer les projets que nous avons pu faire aboutir avec les financements que nous avons déjà obtenus. Donc on se trouve ici sur un chantier du schéma directeur de la production, chantier qui est financé par l'Europe via la BEI. Donc ça s'inscrit dans une démarche de rationalisation des ressources et d'interconnexion entre les opérateurs. On se trouve ici juste à côté d'un site de la CIL et d'un site de la SWDE qui vont être interconnectés. Les investissements ont été bien gérés. On a vu que la SWDE a de très bonnes capacités de mise en œuvre de projets, de gestion de projets. Donc les projets se sont passés comme prévu. Et ça nous donne confiance pour engager aujourd'hui l'instruction d'un troisième prêt avec la SWDE qui doit préparer le programme d'investissement des années à venir. Nous avons toujours des projets d'investissement, notamment dans la rationalisation du réseau. Nous avons un important projet en matière de télégestion, pérennité du réseau. Tous ces investissements-là, ils sont très importants. Et bien, nous sollicitons, une fois de plus, l'aide de la Banque européenne d'investissement et nous espérons qu'ils continueront à nous accompagner dans ces projets qui ont vraiment pour finalité de garantir pour de longues années encore le service à un prix qui soit le plus raisonnable possible pour le consommateur. Thank you.